Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons. Alors, pour moi, ce sera le troisième épisode de la suite. Donc voilà. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Notre héros est toujours en lenteur, j'attends juste que ça se dissipe. En attendant, on va le soigner. Bon. De toute façon, bah, que notre héros soit lent, c'est pas trop un problème, comme ça il est derrière. Ok, par là on change des goûts. Et c'est qui se traîne? Notre héros. Par là, on arrive où? Ah. Vous rappelez. Attendez. Vous rappelez de notre accord, vous devez m'aider à enlever Sky du domaine de l'entendeur. Eh bien, je crois que je vais vraiment. Et bon, on va faire ça. On va sauver Sky pour que le barde reste un petit peu avec nous. C'est bon, on vous suit. Suivez-moi. Nous devions nous introduire discrètement et trouver sa chambre. Nous la ferons sortir par la porte secrète. Il ne faut tuer aucun garde, sinon la colère du pont infamé s'abattra sur nous. Ah. Nous devons nous introduire discrètement. Salut, on est 6. Ok. Faites-vous un. Ça, ce sont des serviteurs certainement. Bria, excusez-moi, je ne vous connais pas. Peut-être direz-vous ce que vous faites chez moi? Désolé, nous avons un peu trop loin. Et nous sommes des associés d'Andar, nous sommes arrivés.
voter, je pensais. Ah. On va essayer ça. Vous avez vraiment entendu des choses, et eh bien j'ignorais qu'on jasait comme cela sur moi. Mais j'en connais peu qui m'égalent les lames. Ça va plutôt vite en besogne. Ok, alors attendez, vous avez vraiment entendu de pareilles choses, et eh bien j'ignorais qu'on jasait comme ça sur moi, mais eh bien y songer, j'en connais peu qui m'égalent en charme et en esprit. Oh, mais bien sûr que je vous accorde un baiser, et vous allez plutôt vite en besogne, la langue et tout. Ok, tout va bien? Ok, là il y a un problème. Attendez, pas par là, par là. Pas vrai, je suis bloqué par le garde, il croit pas. Elle est où la fille? Elle doit être là. Je l'ai pas vue, mais elle doit être là. Sky, voilà. Nous sommes venus te sortir de là. Les gens qui m'accompagnent sont mes amis. Nous sommes à la peine d'aventurier. Merci de votre aide. Je suis heureuse d'être sortie de ces horribles endroits. Et Dorothe m'a dit que vous étiez des aventuriers. Peut-être pourrais-je me joindre à vous. Non, 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 non. Oui, mais à la place de qui? Je peux pas me débarrasser, je peux me débarrasser de personne dans mon groupe, moi. Non, puis bien sûr, j'ai pas sauvegardé avant. Bon, puisque tu te casses. Quitte à ce qu'il se casse, autant qu'il se casse avec le minimum de choses.
toi t'es lourd, je suppose. Voilà. Puisqu'il se casse de toute façon, allez. Hop, au moins je sais où aller. Tâche facile. Mais parce que à la place de qui tu veux que. À la place de Xan, mais même. Me dis pas qu'il y a un random là-dessus. Ah, ouais, attendez. Non, 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 non. Oh, c'est pas vrai, je vais devoir laisser quelqu'un ici. On va laisser Xana. Je voudrais juste voir ce qu'elle a en fait. Est-ce que Imoen. Alors attendez, attendez, on va faire des tests. Est-ce que Imoen, je peux la laisser là et la reprendre plus tard? Ok. Ok, bon, on va temporairement. On trouvera bien quelqu'un d'autre. De toute façon, hors de question qu'on se passe d'Imoen. Il y a un. Donc c'est ce qu'on va faire. Ok, donc il y a déjà eu l'autosave. Et on pourra reprendre Imoen en sortant. C'est fait.
Il y a un random. J'y crois pas. Il y a un random là-dessus. Il y a un random sur les réponses. Non mais merde quoi. Faut attendre un peu avant de répondre. Bon, qu'est-ce qu'elle vaut? Voleuse ne trop stricte, niveau 6. Allez, je vous ai fait sortir. Hop, merci. Voilà. Oui, bien sûr. S'il n'y a pas le choix, c'est fait. J'en ai assez. Je vais le bloquer en train d'armer. Bon, c'est tout, on l'a sorti. On va essayer de trouver quelqu'un d'autre parce qu'ils vont par paire et. Puis on n'a pas besoin d'une deuxième voleuse quoi. On va bien trouver quelqu'un d'autre à prendre. Par contre, pareil, si on prend quelqu'un d'autre, on cheatera son XP. Hein. Ouais, je peux pas rentrer là. Bon bah tant pis. Bon. Bon, en tout cas, on aura découvert tout Baldurgate. On est à 20 minutes. J'écourcirai cet épisode, évidemment. Mais je pense avoir vu un personnage qu'on pouvait prendre. Attendez, ici, qu'est-ce que. Je sais même pas ce qu'il y a ici, mais on s'en fiche en fait. On va quand même traverser pour découvrir un minimum. Je crois qu'il y avait un autre bar pas loin, mais je suis pas sûr. C'est peut-être pas un bard en fait, je sais pas. Mais il me semble qu'il y a un personnage qu'on pouvait prendre à l'est.
si, je crois qu'il y a un personnage qu'on peut prendre. Attendez. Que je dise cette bêtise. Bonjour la compagnie. C'est pas là, c'était avant. C'était là, je crois. C'est fait. Il semblait qu'il y avait un personnage dans le secteur ici. Qu'on pouvait prendre. Ah oui, bah il y avait l'auberge. Ouais, mais pareil, je crois qu'à l'auberge. Ce groupe est particulièrement lamentable aujourd'hui. Pareil, en fin de compte, je crois que si on a un autre magicien, on changerait. Peut-être des guerriers ou mages, mais chacun de non lié à la mort. Ils sont peut-être pas tous guerriers ou mages, mais chacun de nos noms est lié à la mort d'un monstre. Pourquoi cette question? Les routes sont infestées de bandits, toutes sortes. De toutes sortes, mais les plus redoutables sont les monstrueux omblins. Rendez-vous utile en passant la lame de votre épée à travers de leur boyau. Non, maintenant je suis con. Je sais où on va pouvoir aller. Je sais où on va aller pouvoir prendre quelqu'un. Encore un personnage chiant. Je sais, on a des personnages chiants dans le jeu, mais. Mais je me souviens absolument plus de ce qu'il vaut, et puis c'est une race qu'on n'a pas pu voir jusqu'à présent. Tâche facile. Là, il est là. C'est bon. Ok, il a vraiment une drôle de tête. Donc c'est un gnome. Chaotique neutre. Ok, d'accord, ça promet. C'est un clair illusionniste. De niveau 6. Mais il a 24 points de vie. On va juste réorganiser le groupe un petit peu.
Ok, moi personnellement, 3 heures de jeu, ça commence à faire beaucoup trop. Hein. Qu'on soit clair, je commence à fatiguer. On va voir ce qu'on peut lui trouver. Mais à Bérégost, on va plus avoir grand-chose de potable. Est-ce que ça, il peut le porter déjà? Il peut, mais c'est trop lourd pour lui. Ou alors, faut qu'on se débarrasse de ça. Et il peut taper à la fronde. Bon, bah. Ouais, bah non, en fait. Stop. Ouais. Ouais, si, on va quand même voir si. Bah, si, il est clair. Donc, clair, il peut porter autre chose de mieux quand même. Et voir si je peux pas y choper une armure plate quand même. Logique. Qu'est-ce qu'il a au niveau de ses sorts? Oui, non, mais les sorts, j'ai dit. Ok, Lodge. C'est quoi ça? Horreur. Le fier, tu le vires. Et tu mets des dégâts à la place. Ok, invocation de monstre 1, ok. Oh bah désolé, je vais encore devoir dormir un petit peu. J'aurais pas pu nous réveiller plus tôt. What the... Oh, je suis au mauvais endroit, j'y crois pas. Là là, le carnage. Qu'est-ce qu'ils font? Ok, les mecs. Et pareil, lui, là. Il me semblait que lui, on pouvait le prendre. Ça a été un peu le bordel quand tout le monde a parlé en même temps. Mais bon. Pas compliqué. Une armure plate, il peut en porter une. Ok. Seulement, il n'y a pas autre chose de toute façon. Non. Bon, alors, ce sera armure plate. Des trucs à vendre hein, par contre. Je peux faire tout ce que vous voulez pour un tout petit peu plus que les autres. Alors, ici. Ça. Ça. Ça.
On vend ici les flèches en garde. Ça on vend, ça on vend. Ça aussi. Et on a un arc long. Ça on va le garder. Ok. Ça on vend, ça on vend, ça on vend. Ça aussi, ça aussi, ça. Ouais, ça aussi. Ok. Ça commence à faire pas mal de... Oui, bien sûr. Deux fois qu'on vient ici. Hein. Ok. Eh, oh. D'accord, ok, pas de soucis. Bon, on y retourne. Ah ouais. Là, ils vont être encore plus fatigués. Il va vraiment falloir que je trouve quelque part où dormir, par contre. Et bien sûr, une auberge, il n'y en a pas là. Ils commencent à faire vraiment n'importe quoi quand ils sont pas reposés. Heureux de vous connaître. Félicitations. D'après les façons dont vous me regardez autour de vous, vous ne connaissez pas la ville. Pour une bagatelle de 15 pièces d'or, je peux vous raconter les glorieuses histoires qui jadis battre lourde veine. Oui, bon. Oh dodo. Ah bah voilà, c'était eux, je suis sûr qu'on peut les prendre. C'est fait. Quoi, vous alliez me demander mon nom, hein? Tout le monde me le demande. Je ne vois pas pourquoi vous feriez exception. Très bien, je m'appelle Érable Seule Tremblotte. Oui, mes parents adorent les arbres. Oui, je suis au courant. Et non, je ne veux entendre aucune plaisanterie sur les arbres généalogiques et sur la sève. Quoi qu'il y ait, c'est-à-dire... Moi, ça vous va? Vous avez des ennuis? Et moi, à votre avis, hein, MDG, j'ai un mordi. MDG, j'ai un mordi, qu'est-ce qu'il leur a pris? Hein? Hein? Quoi? C'est vrai que... Alors, comme ça, vos parents aimaient beaucoup les arbres.
Le mec rajoute une louche. Oh, vas-y, je le fais. Ok, elle s'est tirée. Oh, je suis sûr qu'il y avait quelque chose à faire. On va charger. Ah putain, il n'y a pas d'auto-sauvegarde à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Heureux de vous connaître. C'est fait. Une tâche facile. Ah, désolé, on recommence, mais ils étaient trop beaux, quoi. Attendez, oui. Moi je veux vraiment qu'on teinte tous les trucs. Juste sauvegarder. On va se marrer un petit peu, on est là aussi un peu pour ça. Hein. Mais ceux qui ont écrit le script, franchement, ils ont dû s'éclater. Peut-être que vous devriez vous détendre un peu. Salut. Ok. Direction. Est-ce que ça veut dire que vous ne. Eh bien, en tout cas, en quoi je peux vous aider? Ah, elle peut peut-être nous aider. Donc, bon allez, on va être sympa. Oh là 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 là, ils veulent vraiment qu'on troll en fait. Hein. Et ben la maison des merveilles est intéressante si on aime les gadgets. Elle se trouve dans la partie centre-ouest de la ville. Les sorcelleries d'hiver et bien aussi. C'est bien aussi, ça se trouve dans le secteur centre-est. À part ça, je ne vois rien. Peut-être autre chose. Je me suis planté en cliquant, ma souris a glissé. Enfin, mon pad a glissé. Mais apparemment, elle s'énerve sur la troll. À la prochaine fois. Mais ouais, on peut la troller si on veut. Et je suppose que là, elle prend feu, elle explose. C'est fait. Je suis ravi de faire la connaissance d'un personnage si cultivé. Ragina, longue dent. Voir j'ai une autre. Salut. Enfin, bonjour. Que la journée soit douce et ensoleillée. Ou que vous soyez à votre lever. Toujours prêt à tendre la main vers une nouvelle tête, si je puis dire. Vous pouvez me dire sur cette ville, que feriez-vous dans la vie, aventurier comme moi. On parle de choses intéressantes, c'est aussi. Des quêtes en vérité. Chercher ce qu'il faut chercher et trouver ce qui. Peut-être trouver. Regardons du bon côté. D'accord, c'est un ménestrel en fait. Enfin, si rien n'a été bougé, découvrir ce qui était connu mais oublié, puis raviver, encore chercher malgré, pour commencer son ancienneté. Autant. De recherche qui valent la peine d'être entreprise. T'as raté ta dernière rime, mec. Renversant vos. Eh ben, il est vrai qu'à certains niveaux de ce que je dis, pourrait passer pour rien du tout.
Si en vérité vous cherchez à savoir si la validité de mon discours repose sur la diffusion, putain, c'est un énorme troll ce mec! Repose sur la diffusion de points utiles concernant la stratégie ou les statistiques, les stratagèmes ou les statistiques autrement inconnues. C'est quoi ce troll? Oh putain! Oh le roi de la langue de bois! Oh le roi de la langue de bois! Si en vérité vous cherchez à savoir. Oh putain, elle est trop bonne cette phrase! Si en vérité vous cherchez à savoir si la validité de mon discours repose sur la diffusion de points utiles concernant les stratagèmes et statistiques autrement inconnus, alors non. Elle veut rien dire, mais elle est épique cette phrase. Elle est géniale cette phrase. Je vais me la faire tatouer sur le corps, c'est obligé. Non, enfin, non, je le ferai pas. Mais elle est épique. C'est con, ce troll. Oh là 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 là. On tombe sur deux personnages aujourd'hui, deux trolls. Enfin, soit on troll un personnage, soit on se fait troller par l'autre. C'est trop fort. Eh mais les développeurs, ils ont pété un câble, quoi. Oh non! J'aurais pas cru, bien sûr, oui, dans ce cas, adieu, en effet, d'un Kodak. Bien sûr, il faut qu'il y ait trois répliques à la merde. Oh non! Oh, c'est génial! Ah, oh, c'est génial! Ah, je m'en lasse pas. Ah, je vous ai dit, ça sera détente aujourd'hui. Allez! Ouais, ok, ça c'est un kikou. Mais là, on a le kikou! Là, je déconne pas! On a eu la trollée, le troller, et on a le kikou! Et vous n'êtes. Attendez, je vous lis. Et vous n'êtes pas ces héros du sud, vous avez bien fait de botter les fesses de ces bandits. J'ai toujours voulu être un aventurier, mais vous savez comment ça marche. Bonne chance à tous. Là, on est le fan, quoi. Putain. C'est fait. Oh non, mais merde. C'est fait. Je sais pas ce qu'ils ont fumé, les développeurs, mais. Mais j'en veux. Bon. Y a-t-il des égouts dans le coin? Oh, attends, on a les égouts à l'arrache. Sinon, elle était où la maison close? Parce qu'il y avait la maison close là dans le secteur. Doit être là. Parce que je suis sûr que la sortie qu'on avait trouvée près de la maison close, c'était pas loin, quoi. Je suis sûr qu'on s'est éloigné par la suite. J'ai une lame avec votre nom dessus. Oh putain. Vous là-bas, restez, vous êtes. Bonjour Michel, quelqu'un est rentré. Vous, on veut pas des rabuges. C'est peut-être votre maison, mais on ne demande qu'à en sortir. ne nous faites pas de difficultés et vous en tirerez juste avec un peu moins d'argent. Sinon, c'est la mort assurée. Vous tombez mal, nous sommes des voleurs tout comme vous. Nous ne sommes pas les propriétaires de cette maison, mais nous ne sommes pas prêts à vous laisser détruire les biens. Vous tombez mal, nous sommes des voleurs tout comme vous. C'est fait.
belle arbalète, toi. Pourquoi pas? Toi, t'as des belles flèches. Bon, bah, c'était pas là, sinon, hein. Tâche facile. Enfin, je crois pas. Par où on y va, j'ai pas trop envie de me retaper le, ou alors par les égouts, mais parce que je suis sûr qu'on était pas loin. Bon, là on peut y accéder que par les égouts, mais ça me semblerait bizarre. Là il y a les égouts ici, juste avant on va quand même soigner un minimum Imwen, parce que vous avez dû le hurler derrière votre écran. Ils auraient pas pu mettre tous les mêmes soins dans la même catégorie. Genre des sorts offensifs et des sorts défensifs, je sais pas, enfin des sorts de... Pas défensifs, mais... Oh, c'est fait. Vous m'avez compris, quoi. Bon, on est où, là? On n'y est carrément pas, en fait. C'était par où, la fameuse sortie? C'était là, je crois. Non, c'était là. C'est là où il y avait tous les cadavres, tous les trucs bizarres que ça ramenait là. En soi, c'est pas compliqué, on va aller là. C'est fait. Mais. Toi, bien, tu vas faire le grand tour, toi. Bon. J'espère pour toi que tu vas pas te faire attaquer. Ici, je sais pas ce que ça a repopé. Et de toute façon, on est à 48 minutes, donc on va juste retourner là-bas. Soit on va... Ouais, je m'en doutais. Peut-être été un petit peu franco en fait. Putain, ils nous ont paralysé presque tous nos personnages, j'y crois pas. Cadavres, par là on a les normaux. Ouais, et bien sûr, ils sont presque tous. Ouais, c'est bon. Allez. Bon, on va essayer de se débloquer tout seul, mais on. Ici, ok, il n'y a rien ici. Bon, donc sûr que c'est par là. Ok. Puis-je vous aider?
tenter un petit dodo. Sauf que Jaira doit encore avoir un sortilège de soins, je crois. Ouais. Allez, ça nous épargnera au moins celui-là. Ok. Quoi, il a pas utilisé son sortilège. Bon, il y a Kimoen à qui il manque un point de vie, enfin qui manquera un point de vie, c'est pas très important. Et le dernier soin. Est-ce qu'on tente quand même de prendre un corps en guise de, je sais pas, de... Si je prends un corps, c'est trop lourd. Allez, hop. Affaire classée. Bon, sûr que c'est par là, parce qu'on a des corps partout, quoi. Donc il y a forcément quelque chose ici, quoi. Je veux dire, il y a forcément anguille sous roche. Les paroles vont très vite me casser les rouleaux. Je suis ravi de faire la connaissance d'un personnage si cultivé. Sombre, froid, humide et insolide. Mère serait folle si elle me voyait ici. Une telle crasse, un tel laisser-aller, j'adore. Pour vous, la paix ou je... Est-ce qu'on peut l'énerver? Je sais pas. Non. Bon, je sais pas. Je sais pas, il y a pas quelque chose ici à découvrir. Quand même bizarre qu'ils ont des égouts qui débouchent sur des... Sur des cadavres, quoi. Les gars, si vous voulez profiter des plaisirs des caves souterraines, il faut payer 10 pièces d'or à l'entrée après. Ok. Il y a forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose ici. Ça peut pas être autrement. Ça peut pas déboucher vers un autre égout là, comme ça. Il peut pas y avoir un bâtiment comme ça en plein milieu de deux jonctions d'égouts, quoi. C'est pas logique. Ou alors c'est encore un troll. C'est encore un troll parce que les joueurs sont obligés de passer dans un endroit, voilà quoi. Une maison close, quoi. Puis en plus, sacrée maison close, quoi. Machin, on dirait un temple romain. Je n'aime pas la tournure que prennent les événements. Salut, il faudrait quelqu'un de plus responsable à la tête de ce groupe.
Bonjour, mangez, buvez, faites la fête, tout votre sou, mais soyez gentil, pas dans mon bureau. Si vous êtes prêt à payer les tarifs de la lanterne assourdie, alors l'accueil sera plus mal. Alors l'accueil sera plus chaleureux, mais vous êtes dans les caves souterraines, et si vos recrues sont moins chères, la compagnie ne l'est pas. Au séjour. Quelque chose là. Forcément quelque chose quelque part. Il ne peut pas y avoir que de l'autre côté. Serait fier de vous. Parce qu'elle était où l'autre? Ouais, sinon il y a là, mais c'est pas possible, il y a forcément quelque chose d'autre, ça peut pas lier les deux, quoi. D'ailleurs, après, on remonte où? C'est juste pour savoir où est-ce qu'on remonte, en fait. Parce que l'occasion, on est juste en dessous d'un bâtiment, et c'est là, et c'est dans ce bâtiment-là qu'on a nos trucs. À l'occasion, si on remonte, je suis sûr qu'on va tomber sur des métamorphes ou des trucs comme ça. Je suis sûr que c'est encore un bâtiment qui a été infesté, et en fait il y a juste une maison close en dessous, en fait. Hey, salut! Vous m'avez l'air bien sympathique! J'en prie. Vous devez nous sauver. Ah voilà, de ce satin de fer, ok. Bah écoutez, nous allons juste terminer sur cette personne. Nous faisons de notre mieux, notre ami. La guerre est politique, mais n'estropie-t-elle pas les maris, ne tue-t-elle pas les fils? Mon mari menait la charrue derrière nos chevaux lorsqu'une pièce en fer pourri s'est brisée. Les chevaux se sont emballés et la charrue s'est soulevée. Ouais, ok, dégage. S'est soulevée pour remplir. Il a été traîné sur 20 mètres sur le sol rocailleux. Il a été à l'agonie, les clercs ne peuvent plus rien faire pour lui. Et nous nous demander encore pourquoi je pleure. Bon, ok. C'est fait. Comme d'ici. Hey, c'est un vrai plaisir de rencontrer un bon bougre comme toi. Oui. Ok, donc c'est bien le tavernier. Ok. Vous allez avoir reçu beaucoup d'avertissements. Maintenant, il faut payer. Je regrette, mais là, je dois tuer. Une minute, grosse tourte. Qu'est-ce qui me fait penser que je suis homme du génie Normandie? Vraiment l'air. J'aurais rue quoi. Je commence à en avoir assez de ces menaces. Où que j'aille, on me menace. Eh bien, Baudruche, vous allez finir comme eux. Voilà tout. Endormez-moi, ce con!
Bon, bah on a encore perdu Jeanne. Pour changer. Bon, tiens, ça pèse rien. C'est toi qui vas les prendre pour le moment. Non, c'est con ça. J'essaye de faire le mage clic comme dans Minecraft. Ok, tant pis. Ah oui, puis merde, puis il y a une autre aussi qui est morte. Oh, c'est pas possible. Bon bah tiens, tu vas prendre aussi ça. Ça coûte pas, ça pèse rien. Tiens, là nous aussi, tant qu'on y est. Bon. Imoen, regroupe tes flèches peut-être. Lui, il est encore en panique. Bon. Ok, ça. Ok, l'inventaire est plein. Imoen va porter le reste. Il y a des gants. Il y a des bagues aussi, mais je suis sûr qu'elles sont sans importance. Alors, les gants, est-ce qu'il y a besoin de les identifier? Certainement. Exact. Bon. L'armure plate, c'est celle de Jaira. Bah écoutez, sur ce, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé d'avoir encore été un petit peu long sur celle-là. Et puis, sur ce, je vous dis à bientôt. Ça soigne presque rien en plus.